je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Il entend comme l'appel. Je crie à toi. Amen, amen. Alléluia.
Est-ce qu'on a aussi coupé qui a comme un goût comme icône? Il y a bien. Yes. Minasema, est-ce qu'on a aussi coupé qui a comme un goût comme icône? Il y a bien. Est-ce que tu fais acclamer pour le Seigneur? Minasema, Mungu wako, piki yako Mungu wako mikono ya bien. Dieu, acclame pour ton Dieu. Paka palo ta comprendre. Minasema, piki yako Mungu wako mikono ya bien. Jusqu'à ce que tu vas comprendre, j'ai dit acclame bien. Paka palo Seigneur. Ta comprendre. Minasema, piki yako Mungu wako mikono ya bien. Jusqu'à ce que tu vas comprendre, acclame bien pour ton Dieu. Minasema, paka palo ta comprendre. J'ai dit jusqu'à ce que piki tu vas comprendre. Piki mikono wako Mungu wako ya bien. Parce qu'il faut que tu acclames ton Dieu. Oula si à comprendre, pas qu'à comprendre nae. Toi qui n'as pas encore compris. Piki à Mungu wako mikono ya bien. Acclame pour ton Dieu des bonnes acclamations. Hein, oula kola fana e kichu angufu, pas qu'à comprendre nae. Piki à Mungu wako mikono ya bien. Toi qui comprennes. Oula kola fanya tena kichu ateti, pas qu'à piki à Mungu wako mikono ya bien. Celui qui s'entête encore, il faut qu'il. Piki à Mungu wako mikono ya bien. Acclame des bonnes acclamations pour ton Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais kuko tubantu bengine vraiment atatu kuna mu présence ya Mungu, mina insisté plusieurs fois, uko paka mwenye kuikala. Il y a d'autres personnes dans la présence de Dieu malgré qu'on a insisté, il est toujours assis. Kama banasema tu apa tupike mikono njia mufuko ya mabunga kila mtu apate yake. Si nous disons acclamons pour le sac de farine. Wala tu tuseme asema mbo kuko mtu moya analeta makuta kila mtu atapata 100 dollars tu mupike mikono. Ou bien qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui va nous distribuer les 100 dollars acclamons pour. Njia mtu la nakupatia tu bujima. Pour celui qui t'a donné la vie. Ula rikuchunga. C'est lui qui t'a gardé. Oula na kupatia ile beauté uko nayo. C'est lui qui t'a donné cette beauté que tu as. Oula na kupatia bila uko nabyo kunyumba. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as dans la quelque maison. Quel que soit où yaenesha kingarika ta locataire. Quel que soit tu es encore locataire. Mais Mungu yako na kuchunga paka. Mais Dieu est en train de te garder. Kama tunaverifier bien makalele tuko nayo kwa nyumba ni ya misumari. Si nous vérifions bien. Mais Mungu yako na tuchunga paka. Dieu continue. Mais pale beko na makale ya byuma na bantu inje. Beko ne bengiriria bane baua. Amen. Mais wewe uko tuna kale ya musumari. Unalala na lamuka. Uko mzima. Yes, peut-être uko na mulango ni ya kunyangula, unaweka pale. Unalala. Eh après usubuhi unalamusha unaiweka pale. Unalamuka mzima. Mejia kupikia ule Mungu leo na kuchunga mikono, il fallait tu ukankamishe. Eh. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mushanje kutupusse twanje kusema bya mingi sana. Faut pas commencer à nous pousser pour qu'on commence à dire beaucoup. Tu as coupé tu reconnaître tout beaucoup pour Mungu pa maisha kwa il faut tu kuexhorter bya mingi. Pour reconnaître la grandeur de Dieu, il faut qu'on t'exhorte. Pana, il faut comprendre toi mwenyewe. Il va falloir que tu comprennes de toi-même. Alléluia. Amen. Nous disons merci à notre Dieu. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Afin que nous puissions exhorter ou soit passer devant vous. Il est tout et soit loué. Mungu asifiwe. Nous disons encore merci au pasteur au collège des anciens. Serviteur, de nous avoir aussi donné cette et de la part de Dieu. Ce matin. Et nous disons aussi merci à toute l'assemblée d'avoir accepté l'invitation de ce matin. Alléluia. Amen. Je vais un peu récapituler l'enseignement de mardi. Le mardi, on nous avait enseigné sur l'impact de la sensibilité spirituelle. Et le jeudi aussi, on nous avait parlé sur un sauveur chef. Tu as besoin d'un sauveur et d'un chef. Et là, on avait beaucoup prié et Dieu nous avait fait grâce. Et ce matin, c'est le jour de la bonne nouvelle. Nous allons parler
sur quelque chose de la part de Dieu. Et ce qui va encore nous fortifier ce matin, donner la force afin de continuer notre marche chrétienne. Et notre thème de ce matin est intitulé ainsi: l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens aujourd'hui. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens aujourd'hui. On va nous lire dans Galates chapitre 16, chapitre 5. Le verset 16 à 18. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect? Chapitre 5, le verset 16. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ah. Nous dit que notre intitulé ainsi: l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Et avant d'interpréter notre passage, je voudrais d'abord passer par les définitions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la force ou une puissance, mais aussi le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Donc c'est la troisième personne de la Trinité. Donc il y a le Père, Baba, il y a le Fils, Mwana, et la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est aussi une personne céleste et vivante. Le Saint-Esprit aussi, c'est une personne divine. Donc le Saint-Esprit, il possède aussi les attributs qui sont aussi du Père et du Fils. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas seulement une force ou une puissance, mais le Saint-Esprit aussi, c'est une personne. Et cette personne-là est vivante. Alors, les attributs qui caractérisent le Saint-Esprit sont ceux d'une personne vivante. Donc le Saint-Esprit a des attributions qui est dans une personne. Alléluia. Amen. Donc ce qu'une personne peut faire, le Saint-Esprit aussi est capable de le faire. Parce que c'est une personne aussi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors les attributs qui caractérisent le Saint-Esprit sont ceux d'une personne vivante. Ou soit d'un individu. Voilà bien muntu. Le Saint-Esprit, Rome takatifu, a le discernement aussi. Anakuwa na uchungulivu. Comme une personne. Kama mutu. Le Saint-Esprit a le discernement. Rome takatifu anakuwa na uchungulivu. Le Saint-Esprit a l'intention. Rome takatifu na anakuwa na mania. Le Saint-Esprit a la volonté. Rome takatifu na anapenda. Le Saint-Esprit a aussi la connaissance. Rome takatifu na anakuwa na ufahamu. Le Saint-Esprit a aussi les émotions. Rome takatifu na anakuwa na mania. Comme une personne. Kama vile mutu. C'est pourquoi nous avons défini comme le Saint-Esprit comme une troisième personne de la Trinité. Jopale tutafsiri ya kusema Rome takatifu ni mtu wa tatu. Donc le Saint
Saint-Esprit, c'est une personne. Il fait des choses comme une personne vivante. Il discerne. Il a la volonté. Il a la connaissance. Il a aussi les émotions. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une personne? Parce que nous avons constaté que lorsque le Saint-Esprit fait des choses, c'est comme si c'est une personne. Nous allons le voir. Premièrement, si nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible nous dit, le Saint-Esprit enseigne et il rappelle. C'est comme une personne. Tel que je suis devant vous. Je suis en train de vous enseigner. Et je suis en train de vous rappeler. Et le Saint-Esprit aussi a ce travail-là d'enseigner et de rappeler quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Et deuxièmement, le Saint-Esprit rend témoignage comme une personne. Tu peux retrouver ça dans Jean chapitre 15, le verset 26. Le Saint-Esprit aussi, il guide dans toute vérité. Le Saint-Esprit, il parle. Saint-Esprit, il entend. Le Saint-Esprit, il annonce. Le Saint-Esprit, il empêche. Le Saint-Esprit, il donne la vie. Le Saint-Esprit promet. Et le Saint-Esprit intercède. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit c'est une personne. Parce que le Saint-Esprit enseigne aussi comme une parce que le Saint-Esprit rappelle aussi comme une personne. Le Saint-Esprit annonce. Le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aussi parle. Alléluia. Amen. 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 Comment tu n'as pas Saint-Esprit ningufu tubule? Si nous disons que le Saint-Esprit c'est la force, donc aista sema, il ne va pas parler. Alléluia. Amen. Tenke solo kompembeni akashilala. Bouge celui qui est à tes côtés. Comment tu n'as pas Saint-Esprit ningufu? Si nous disons que le Saint-Esprit est la donc, force, donc Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas parler. Alors il fallait appuyer sa vie muntu. Il va falloir qu'il soit comme une personne. Afin qu'il parle, à shikie, qu'il entend, à fundishe, qu'il enseigne, à rappeler, qu'il rappelle, à annoncer, qu'il instaure, à intercéder, à omé. Alléluia. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Alors je me suis posé une question. Qui sont censés de recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alors j'essaie un peu de vérifier dans la Bible. Nous allons lire dans l'Acte chapitre, Acte des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Nous lisons Acte chapitre 2, verset 38. La Bible nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont censés de recevoir le Saint-Esprit? Ici, on est en train de nous dire, Paul dit, et Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans la parole vivante, la Bible nous dit ceci.
Repentez-vous. Mutubu. Et faites-vous baptiser. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Na mutapokea Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Donc, bale beko sanse tu ya kupokea Roho Mtakatifu. Ceux qui sont censés pour recevoir le Saint-Esprit. Bi bale bantu bana. Bana tubu makosa yabo. Ce sont là qui se repentent. Bale bantu bana. Kiri makosa yabo. C'est là qui abandonne le péché. Mais après kutubu, après avoir banenda kubabatisa, ils vont aller les baptiser. Na wakati bane babatisa, lorsqu'on va les baptiser. Jo Bible nasema, jo bale bantu batapata nini? Roho Mtakatifu. La Bible dit c'est ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit. Donc inaonesha kusema hivi tel que chez wote tuko hapa. Ça veut dire tel que nous sommes ici. Kuna Roho Mtakatifu. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Nani kuna Roho Mtakatifu? Qui a le Saint-Esprit? Mungu atubariki sana. Amen. Jokole tulisema kishina yetu kazi ya Saint-Esprit mu maisha ya Mkristo wa leo. C'est pourquoi on a dit les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Safi leshe tunaweka mikono yulu. Bale tuko na Roho Mtakatifu. On a mis nos mains à l'air. Donc nous avons tutaona si réellement Roho Mtakatifu iko natumika ndani ya maisha yetu. On verra si le Saint-Esprit est en train de travailler dans notre vie. Bien sûr, chemote tuliaminia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bien sûr, tout le monde en a cru au nom de Jésus-Christ. Na tulitubu mazambi zetu. On s'est repenti de nos péchés. Na pala barienda kututupika mumai. On est allé nous baptiser. Na tunapokea mazawadi ya Roho Mtakatifu. Et nous avons reçu des dons du Saint-Esprit. Na chipaka leo tuko na ile Roho Mtakatifu iko ndani mwetu. Jusqu'aujourd'hui nous avons cet esprit qui est en nous. Alors, miripenda kutafuta terme repentir. J'aimerais chercher le terme repentir. Repentir vient du mot inatokea ku namna ya latin poeniter. Inasema poeniter. P-O-E-N-I-T-E-R-E. Poeniter. Na hii terme. Ce terme. Wala hii mot. Ce mot. Inasignifie nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Repentir. Se repentir. Inasignifie nini? Ça veut dire quoi? Inaonesha donc mana yake ni ku regretter. Ça montre le regret. Kuregrete maisha yako ilo rifanya jana. Regretter la vie que tu as fait. Na unapromettre kusema tena sitafanya nzambi. Et promettre que tu ne vas pas pécher encore. Donc maana yake una regretter bubaya bulo rifanya jana. Tu regrettes le péché que tu as fait. Na wakati unaburegrete. Lorsque tu vas regretter. Unabutubu. Tu vas. Na unapromettre kusema hii tena bubaya. Et tu promets. Sitaburudiria. Que je ne retournerai jamais. Leo ba Kristo ba mingi. Aujourd'hui plusieurs. Ata tunafanya nzambi. Même si nous faisons le péché, on ne regrette pas. Atikalake na buchungu. On n'a pas cette affliction. Même si on dit de nous repentir. Atikalake muntu la nariaka. Il y a personne qui pleure. Pourquoi? Parce que tusha kusobelea. Parce que nous sommes habitués. On ne regrette jamais. Atikalake na buchungu ya bubaya bule tulifanya. On n'a pas la tristesse de ce que nous avons fait. Sasa angaria muntu ule bana mukatala. Regarde maintenant la personne qu'on a abandonnée. Ule muntu anapata déception. La personne qu'on a déçue. Utaona ule muntu ataria na machozi tayala tambumba. Vous verrez que la personne a pleuré. Pourquoi? Parce qu'on l'a abandonné. Mais tu as eu quoi kutubu aririe kwa Mungu wake. C'est difficile de pleurer dans la présence de Dieu. Mais wakati ya kuria kwetu. Pendant que nous pleurons. Tuko naria mubintu ya dunia. Nous sommes en train de pleurer pour les gens du monde. Na vimba. Tu verras même les yeux gonflés. Palo utaona ule muntu ata kuria shita kuria. Tu verras que cette personne ne va même pas manger. Pourquoi? Bari mukatala. On l'a abandonné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Sasa kutubu banasema il faut tu regretter. On dit se repentir, il faut qu'on regrette. Regretter bubaya bule tulifanya jana. Il faut que nous regrettons du péché que nous avons fait. Na wakati tuta regretter. Au moment que nous allons regretter. Na tuna promettre kusema atutarudia tena mwile nzambi. Et on fait une promesse pour ne pas y retourner. Mais leo tuko na tubu nzambi. Aujourd'hui nous nous repentons de nos péchés. Mais kesho tena tunarudiria. Mais demain nous retournons. Leo mina tubu kimoya. Aujourd'hui je me repens. Kesho tena paka kile kimoya tena mina rudiria. Demain je vais y rentrer. Donc ikusha tuna musobele ya Mungu. C'est-à-dire nous avons habitué. Bien sûr ya Mungu eko na tusamea. Bien sûr que Dieu nous pardonne. Eko na turumia anasema eko plein d'amour. Il nous pardonne parce qu'il est amoureux. Eko plein d'amour. Eko na plein ma pendo ya utele. Parce qu'il est plein d'amour. Dieu ya kusamea kupale bote beko na muita. Pour pardonner ceux-là qui l'appellent. Mais kama tuko na muita tufai tuanze kulurisha nzambi comme d'habitude. Si nous
l'appelons, il ne faut pas que Léon mina iba. Comme d'habitude. Mina kuya en présence ya Mungu nasema Mungu ni rumie. Aujourd'hui je vole, je vole miriba. Parce que je vole. Mais qu'est-ce que tena? Demain. Unaiba. Tu voles encore. Unakuya tena kwa Mungu. Tu reviens encore pour Mungu nisame. Dieu pardonne-moi. Mungu anakusamea. Kesho tena unakuya. Demain. Unaiba tena. Tu voles encore. Na Mungu naisha tachoka. Dieu va même se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Saint-Esprit le tout qu'on a eu. Le Saint-Esprit que nous avons. Comme ta cative tu ripata. L'esprit que nous avons reçu. Wakati tu ritubu. Au moment qu'on s'est repenti. Tu sema tu rifanya serma kwa Mungu wetu. On avait fait un serment devant Dieu. Tunasema tous ta rudiria tena mu Zambi. On a dit de ne pas retourner dans ce pays. Apa mina jari kwa jipia. Ici je suis né de nouveau. Mina kuya mutu wa sasa. Je deviens une nouvelle personne. Ile mambo yote ya zamani nafanya nini? Les choses anciennes. Inenda na mai. Sont passées avec le. Mais ce n'est pas pour ce n'est pas le cas pour les chrétiens d'aujourd'hui. Aina ya kawaida njia ba Kristo baleo. Malgré tu ripita mu mai. Ingawa qu'on a passé na ile biyetu ya zamani biyote bile tulipita navyo mu mai. Les choses anciennes qu'on a passées avec le. Na leo hii. Même aujourd'hui. Tuko ne bi appliquer. Nous sommes en train de les appliquer. Alléluia. Amen. Notre thème, China yetu, l'œuvre du Saint-Esprit, kazi ya Roho Mtakatifu, dans la vie d'un chrétien. Mumaisha ya Mukristo. La Biblia inasema, dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18, notre passage de base. Dio. Je dis donc, minasema kama. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi à ses désirs contraires. Rome takatifu na anakuwa na kutaka à ceux de la chair. Bile bia, Rome, bia ils sont kimwili. Opposés entre eux. Binakuya abilinganishwe. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ili mushifanye bile munapenda. Tutembe katika kiro. Marchons selon l'esprit. Na tufanye ma désir. Ya kimwili. Et n'accomplissons pas les désirs de la chair. Kama tushifuraishe kimwili. N'accomplissons pas le désir de la chair. Kwani kimwili kiko na bia kufuraisha bia kina ma désir yayo. Parce que la chair a ses désirs. Na ile ma désir. Iko kinyume na ma désir ya kiro. Et contraire au désir de l'esprit. Na ibi bintu biwiri. C'est des choses. Abitembe yake pamoja. Ne marche jamais ensemble. Ule mute kona ongosewa na roho ya Mungu. C'est lui qui est conduit par le Donc anapasha kuacha ma désir ya kimwili. Il doit abandonner les désirs de la chair. Na ule mute kona tembelelea mukimwili. C'est lui qui est en train de marcher selon la chair. Donc achene kuchanga na ma désir ya kiro. Il ne doit pas combiner les désirs Parce que ibi bitu abipatanake byote bide kutembea navyo pamoja. Donc on a pas kuchakula kintu kimoya. Na kila kimoya utembee nakyo. Pour que nous marchions ensemble. Kama nikusema mie mitafurahisha bya kiroho. Si je dis si moi je vais faire le désir de l'esprit. Fanya bya kiroho. Fais les choses de l'esprit. Kama unasema mie mitafanya bya kimwili. Si tu te dis que moi Fanya bya kimwili. Fais les désirs de la chair. C'est pourquoi Bible nasema mu Apocalypse. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse. Nasema kwa ule Eko mukifukutu et puis eko mubariti. À celui qui est dans la chaleur et celui qui est dans Achiakula po kimoya kama ni ukifukutu. Il choisit la chaleur. Kama ni kubariti afanye nini? Ende. Nasema ile siku ya mwisho. Mungu atafanya nini? Atebatapika. Dieu va le vomir. Dieu a nini? Pourquoi? Kwani uko na bichanga. Parce qu'il auna mu position moya. Tu n'as pas une seule position. Alléluia. Amen. C'est pourquoi baimbaji wa mwaba nasema. C'est pourquoi les chantres disent. Mukulu moya mukikavu. Mukulu moya mu mai. Donc uko na tumikia Mungu. Mukulu moya iko mukikavu. Moya iko mu mai. Sasa aujue position pale wiko. Tu ne sais pas la position où tu es. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Misha kuya sema ibi bia hivi. J'ai dit que de telles choses, ça fait mal aux gens. Et je vais me taper hapo sana. Je vais taper là-dessus. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
unishirikie. Unishirikie. Que tu ne te fâches pas. Mie Rome takatifu niambia ni kwani kuambie cho change. Je te dis que tu changes. Chakula po kimoya. Il faut que tu choisisses une seule chose. Kama ni bia dunia. Si c'est les choses de tumikia bia dunia. Fais les choses du monde. Kama ni bia kimungu. Si c'est les choses spirituelles. Fais les choses spirituelles. Exemple tu paka hivi. Paka mio huyu mnanyona kumbe. Exemple tel que moi je suis. Chimiko na ubiri hapa. Je suis en train de prêcher ici. Pakuse tutoke munyone miko natoka mula grotte mule. Nous sortons, vous me constatez du côté la grotte en train de. Mutasema nini? Vous allez dire quoi? Alléluia. Mutasema nini? Qu'est-ce que vous allez dire? Sinjo benye bali beko natubiri. Ce sont là qui sont en train de nous prêcher. Alléluia. Amen. Pamoya tena shieba Kristu. De la même manière nous les. Bantu basa kutuya kusema tuko ba Kristu. Les gens nous sont que nini la tunafanyaka mu makartier yetu. Ce que nous faisons dans nos quartiers. Nini la tunafanyaka mu mandoa yetu. Ce que nous faisons dans nos mariages. Pour que bantu ba confirmer kusema huyu mtu ni mu Kristu wa byakwe. Pour que les gens confirment que tu es un vrai. Est-ce que le Saint-Esprit ya koko nayo? Est-ce que l'esprit iko na kusaidia kunini? Est en train de t'aider à quoi? Roho Takatifu iko nayo. L'esprit que tu as. Il a ripoke ya wewe. Que tu as reçu. Iko na kusaidia. Kunini. Tête en quoi? Alléluia. Amen. Tuchakule poeki kimoi. Choisissons une seule chose. Jokulo taona ba Kristo bengine. C'est là où tu vas voir d'autres chrétiens. Il s'agit à concert ya Falipa. S'il s'agit d'un concert de Falipa. Ule ni mu Kristo. Il est chrétien. Asa kupokea Roho Mtakatifu. Il a déjà reçu le Saint-Esprit. Na eko naimbia Mungu. Il est en train de chanter. Na bantu basa kuya kusema huyu ni mtumishi huyu ni kichakazi. Et les gens savent qu'il est serviteur. Bantu basa kuya kusema huyu ni conducteur huyu ni conductrice. Les gens savent qu'il est conducteur. Mais il s'agit d'un concert ya Falipa. Il s'agit d'un concert ya Falipa. Na yeye ule conducteur eko mu concert ya Falipa. Il en fait aussi partie. Ile mwimbo na yeko nacheza. Dans cette chanson là eko na Luka. Il s'agit d'un concert ya Maki Kalambai. Il s'agit d'un concert de Maki Kalambai. Mu concert ya Maki Kalambai. Il est là dans le. Na nacheza na Maki Kalambai. Il est en train de danser. Alors ça se parle pas toi ya muamini Yesu Kristo. Alors ces gens là ne va weka nini mu kichwa yao. Tu es en train de mettre quoi dans leur tête? Confusion. La confusion. Ju abayuwe kukalifia uko mu Kristo wala uko mupagano. Parce qu'ils ne savent pas te qualifier. Mumimbo ya kidunia uko amo. Dans les chansons païennes tu es là. Mumimbo ya Mungu uko amo. Dans les chansons chrétiennes tu es là. Sasa bantu benye pat peut-être banaze na kuuliza uko mu Kristo wala una mu Kristo. Mais on va te demander toi tu es chrétien ou pas? Conducteur mujima. Un conducteur. Wala conductrice mujima. Une conductrice. Munyumba yake muko mimbo paka ya Falipa. Dans sa maison. Sasa utakuwa kutufundisha mimbo kani mukanisa. Qu'est-ce que tu vas venir enseigner ici? C'est pourquoi tu naona mukanisa ma danse. Ni paka ba Falipa. Tu ya nini? Tai yao ya mingi. Beko na ipitisha mkufuata mimbo ya mafali. Tai yao ya mingi. Beko na ipitisha mkufuata ma mimbo ba Ferregola. Ne passe pour suivre des chansons de Ferregola. Tu utaona mtu yako paka kani danse ya je. Tu verras que quelqu'un. Sasa unajiuliza hii danse natokea wapi? Mais fuata mamimbo ya dunia. Si tu poursuis bien. Utapata ile danse. Tu vas trouver cette danse. Et puis unasema unaweza kupokea Roho Mtakatifu. Et tu as dit que tu as déjà reçu le. Na unasema uko mu Kristo. Et tu t'es dit que tu es chrétien. Hauna mu Kristo. Tu n'es pas chrétien. Tengeneza. Il faut que tu changes. Chakula hapo kimoya. Choisis une chose. Kama ni kumtumikia Mungu. Si kumtumikia Mungu. Kama ni kutumikia dunia. Si pour servir tumikia dunia. Serve le monde. Alléluia. Amen. Tu ushiweke confusion mu bantu. Pour que tu ne mettes pas la confusion bantu dans le monde. Bantu bekona kona tu kumencho ko mu Kristo. Les gens te voient que tu es un chrétien. Mais comme il s'agit à kucheza hii muziki ya dunia. S'il faut que tu danses les. Unashuka kona fika chini. Tu descends jusqu'ici. Mais kama unakuya mu presence ya Mungu. Si tu viens dans la présence de Dieu. Unakuya sa ni honorable mwevi. Mwenye honorable uko mu assemblée kusema usemake. Tu deviens honorable qui ne parle jamais dans la. Donc wewe uko tu ni kimya uko sa patron. Toi tu es là comme un patron. Mais kama nasema ni mimbo ya dunia. Si il s'agit de chansons. Unawezi kufula na nkochi unaitupa. Tu vas abandonner, tu vas même. Tu ya nini epo iko na presser na kwa presser c'est. Hii mwimbo kama mimi naishikia. Tu entres même d'apprécier si j'écoute cette chanson. Mimi nakumbuka mambo moya. Je me rappelle des problèmes. Ni consolaka. Tu me consoles. Hauna mu Kristo uko mupagano wewe. Tu es chrétien, tu es profane. Na mimbo ya vile. Aista ukonsolaka hata shiku moya. Tante consolera jamais. Aista kufariji hata shiku moya. Tante consolera jamais. Kwa kompanye mu moto. Iki t'accompagne à l'enfer. Alléluia. Amen. Tusha kupokea Saint-Esprit. Nous avons déjà respiré. Na ile Saint-Esprit tusha kupokea ina ya badaju. Et l'esprit qui est. Ile Saint-Esprit tusha kupokea ina ya Falipa. Ce n'est pas pour le Falipa. Ile esprit tusha kupokea ina esprit ya Ferregola. C'est pas un esprit. Mais esprit tusha kupokea. Ni esprit wa milele Mungu. C'est l'esprit de l'Éternel. Ile Yesu Kristo alisema. C'est ça dit. Inafaa nende kwa baba yangu. Il va falloir que je m'en aille. Tu amieni kamilombeye. Afin que je demande. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Ile tamiongoza. Celui qui va vous aider. Ile tamifundisha. Celui qui va vous enseigner. Ile dansa kumi
Celui qui va intercéder pour c'est cet esprit-là que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Na wewe unafuataka mimbo ya Fally Ipupa, Mungu akubariki sana. Toi qui suis les chansons de Fally Ipupa, que Dieu Mungu te bénisse. Mungu yuko pesa na wewe, Mungu akubariki sana. Que Dieu t'aide. Na Mungu anakuambia kusema changer chakula njia moya. Dieu t'a dit de changer, de choisir une seule chemin. Alléluia. Amen. Wewe ushakupokea Roho Mtakatifu. Toi qui as déjà reçu le Saint-Esprit. Il s'agit de pika mokabondo na pikaka. Il s'agit de mettre le petit kabondo. Tu le fais. Et puis when Dieu a kuimba mzuri sana. Pour chanter bien. Il faut courir kabondo. Il faut que tu prennes des kabondo. Ça pas le moment que tu munakutakata. Là tu verras maintenant le. Voilà on est sur pika ta birbiti hapa. Là tu vas même faire. Si kuna tuko naona sema huyu mtu ashakuchaziwa sana. Huyu mtu anachezea ka Mungu sana. Cette personne t'a. Mais comme on fata fata ule mtu. Tu le suis bien. Ashakunya kabondo. Il a déjà pris le kabondo. Alléluia. Amen. Cache-toi devant nous, mais devant Dieu jamais. Kuya witulande shie mais Mungu aumulande. Viens nous mentir, mais Dieu. Na Mungu ashakuyua pia na sio nakunyaka. Dieu sait que tu prends les. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Minapenda twende mu kazi nye ya Saint-Esprit. J'aimerais que nous allions dans le œuvre du Saint-Esprit. Mu maisha yetu ya Bukristo. Dans notre vie chrétienne. Kintu kia kwanza. La première des choses. Le Saint-Esprit. Rome takatifu. Nous libère de la loi du péché et de la mort. Iguna tutosha mu ma amuri ya zambi na alufu. Si nous lisons. Kama tunasoma. Romains chapitre 8. Kitabu kia wa Roma sura yake ya kenda. Le verset 2. Mstari wake wa pili. Amen. Amen. La loi de vie amri ya ro en Jésus-Christ. Moi Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y en a kania mu amri ya zambi na lufu. Donc le Saint-Esprit. Donc c'est ma Rome takatifu. Nous libère de la loi du péché et de la mort. Yuko na tukomba ku amri ya zambi na lufu. Sasa kama we Rome takatifu iloko nayo. Si to, l'esprit que tu as. Aiku toshe mu ma sheria ya zambi. Qui ne te libère pas dans la loi de péché. Toi qui as déjà reçu mais la qui nous compare à ma chérie ya zambi. Mais toi tu es toujours dans la loi de péché. Sache que Saint-Esprit t'es là ndani mwako. Sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Où ça coupotez ya Saint-Esprit. Tu as déjà perdu le Saint-Esprit. Parce que où la moutou qu'on a Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Aïsta mongosa kufanya zambi. Ça ne conduira pas de péché. Aïsta mongosa enda kaibe. Ça ne va pas lui conduire de péché. Aïsta mongosa enda kasharatike. Ça ne va pas lui conduire de péché. Aïsta mongosa enda kafanya bitu tu n'importe quoi. Ça ne lui conduira pas de péché. Il t'a mongosa mkufanya mapenzi ya Mungu. Ça va lui conduire à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Rome takatifu ile shitu ripokea. Le Saint-Esprit que nous avons reçu. Rome takatifu ile roho ripokea. Le Saint-Esprit que tu as reçu. Aina roho ya fujo. C'est pas un esprit de désordre. Aina roho ya lutuku. C'est pas un esprit. Aina roho ya busharati. C'est pas un esprit. Aina roho ya kalomni. C'est pas un esprit. Aina roho ya kuchonganishana. C'est pas un esprit. Mais ni roho ya kutulibera mubile vitu vyote. Ya kututosha mubile vitu vyote. Na kutupatia maisha ya sasa. Na kutupatia uzima. Kutupatia la vie. Il lufu cette mort usanile lufu ya kusema Bible vile nasema selon ce que la Bible car le salaire du péché c'est la mort. Sasa ile lufu c'est la mort spirituelle. Cette mort ni lufu ya kiro. Donc unachana na Mungu. Tu te sépares de Dieu. Tu ule muntu ana na Mungu ni muntu mwenye kufa. Celui qui n'a pas Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Ule tu ana na Mungu. Celui qui n'a pas Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi mutaona mu jardin d'Eden. C'est pourquoi vous verrez dans le jardin d'Eden. Adam et Eve. Adam et Eve. Wakati wa désobéir ku sauti ya Mungu. Lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Mungu anabatosha mu. Dieu les a enlevés. Anabatosha mu présence yake. Ils les ont jetés. Na Mungu anabacha bo benyewe. Sasa angalia maisha kule barienda nayo. Ilikuwa maisha ya kufua. Il faisait une vie morte. Parce que Mungu tena ashikufanye ashikuye. Parce qu'il n'y avait pas Dieu. Rome takatif. Le Saint-Esprit. Iko na tu libérer mu zambi. Nous libère de tout péché.
Toi qui as déjà reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans les choses. Tu ne peux pas rester dans le péché. Il va falloir que tu fasses les choses spirituelles. Deuxième point. Il nous aide à prier. Romains chapitre 8, le verset 36. Bible na semaïf. Le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par soupirs exprimables. Donc, Roya Mungu, le Saint-Esprit, inatusaidia siye kuomba. Vous êtes à prier. Nasema wakati tunajikuta mu faiblesse mo fulani. Pendant que nous nous retrouvons dans une faiblesse quelconque. Mais Roho Mtakatifu inakuya ndani mwetu. Mais Roho Mtakatifu inaanza kuomba, inaanza kuintercéder juu yetu. Intercède pour nous. Na iko natupatia mamisemo ya siye kusema. Il nous donne des paroles à dire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Iko natusaidia mukuomba. Nous aide à prier. C'est pourquoi bintu byote pa kwanza. C'est pourquoi avant de commencer. Tunapendaka kulomba présence ya Roho Mtakatifu. Nous voulons, on demande souvent la présence de Dieu. Que Roho Mtakatifu ipate kutusaidia ituongoze mzuri. Parce que le Saint-Esprit nous aide à nous guider. Kama Saint-Esprit aina hapo. Si le Saint-Esprit n'y est pas. Vas-y pas la pana Saint-Esprit. Si, lorsque le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a toujours du désordre. Vas-y pas la pana Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a toujours des disputes. Alors c'est pourquoi kama munangaria ta mu marenyo yenu. C'est pourquoi quand vous voilà mu wimbachi bwenu. Munakuya le makokotano. Il y a des disputes. Mujue kusema munakuya manki ya presence ya Mungu. Il faut savoir. Ushwati munakuya mtu moya. Il y a quelqu'un. Eko animé na ma esprit ya mubaya. Animé avec des mauvais esprits. Na ile ma esprit ya mubaya. Des mauvais esprits. Kama na mitu ya mikuta mwe bote muko faible. Quand il vous trouve faible. Anemia mvute. Il vous envoûte. Anaweka mvuruko. Il met des désordres. Alléluia. Amen. Na kitu kia tatu, la troisième des choses, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous conduit. Il nous conduit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ceux-là qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là, je vais leur dire qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, batoto ya Mungu, fashi pale peko batoto ya Mungu. Là où il y a les enfants de Dieu. Ni pale peko roho ya Mungu. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Donc, pale peko batoto ya Mungu. Là où il y a les enfants de Dieu. Je pale peko bintu ya Mungu byake byote. C'est là où il y a toutes les choses de Dieu. C'est pourquoi on t'aona ta musazi. C'est pourquoi tu verras. Ya kusema pale peko mtoto yangu, je pale peko roho yangu. Là où il y a son enfant, c'est là où il y a son cœur. Usati pale peko bwana yangu. Là où il y a son mari. Je pale peko roho yangu. C'est là où il y a mon cœur. Mais na bintu ya Mungu na byo. Et le même les choses de Dieu. Roho ya Mungu fashi peko roho ya Mungu. Là où il y a le Saint-Esprit. Je parle peko Mungu. C'est là où il y a Dieu. Fashi pala pana roho ya Mungu. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Peko shetani. Il y a le diable. Alléluia. Amen. Asa mita kuliza juu ya nini? Aba ba ma politique ou soit ba ma réunion ma politique. Des fois est-ce que Michoué juste tu as participé mo tout ça? Est-ce que bana itaka na roho ya Mungu? Est-ce que dans des réunions politiques il demande aussi? Est-ce que bana semana sema mbo avant ya kwanza réunion yetu tu te kombe le présence ya Mungu? Ils disent que avant qu'on ne soit parce que vous filez à Nachikuta, ils savent que nous sommes en séance occulte. Ils sont dans des séances occultes. Il faut évoquer. Il faut qu'ils invoquent. Ils invoquent le Mungu wabo. Ils invoquent leur Dieu. Pour Takuya Abessa va assister. Pour qu'ils viennent les assister. Pour ma réunion yabo. Dans leur réunion. Ça s'achie na chie batoto ya Mungu. Nous aussi enfants de Dieu. Fashion de la Tunachikuta. Là où nous allons nous réunir. Na chie tu n'as pas ça qu'il t'a nini. Nous aussi. Roya nous devons invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Fashion tata mounyumba. Même dans nos maisons. Ata munjia. Même sur le ata kumashamba. Même dans le champ. Des fois tu rentres au fika ta moevi. Tu ko kumashamba na papa tunenda. Il faut tu fika kumashamba tuombe. Eh papa, na kumashamba tena kuomba. Des fois on priait même au champ avec. Oui, il faut kuomba Dieu à nini. Oui, il va prier. Pourquoi? Roho ya Mungu kwa pamoja na sipaka vile tutembesha. Huko le Saint Esprit. Parce que mura mu mashamba ngise na wesi kuingia. Unarikata njembe. Yes. Una wesi kuingiria ngiza nyoka natokelea na kuluma.
Alors parle mon aomba. Mon adetier casse yote mon mikono ya Mungu. Vous allez dédier cette travail. Namungu na fanya nini? Ekona mi protéger. Va vous protéger. Alléluia. Amen. Kuomba aina nasema paka mukanisa. Prier c'est pas seulement l'église. Attaque ma chambre. Même au champ. Avant ya kwanza kaji. Avant de commander. Il t'aroi ya Mungu. Prie le Seigneur, il t'aide. Alléluia. Amen. La quinte qui a quatre. Quatrième des choses. Le Saint-Esprit. Rome takatifu. Il apporte l'unité. Eko na leta umoja. Le Saint-Esprit. Rome takatifu. Nous apporte l'unité. Eko na tuleta umoja. Ephésiens chapitre 4, le verset 3. Ou Ephésiens sur chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous pouvez interpréter. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Rome takatifu, le Saint-Esprit a il état que division. Ne donne pas la division. Rome takatifu, le Saint-Esprit a il état que kosanisha bandu. N'apporte pas la division. Rome takatifu, le Saint-Esprit a il état que mashimango. N'apporte pas les calomnies. Rome takatifu, le Saint-Esprit a ipusa ke bandu ende akalete divorce wala mumandoa. Mais le Saint-Esprit ikona leta umoja. Le Saint-Esprit qu'on a l'état au moja. Le Saint-Esprit apporte l'unité. Donc, comme weye unekalaka na ile habitude ya kuleta division mu bantu. Si tu as l'habitude de mettre la division. Comme weye unekalaka na ile habitude ya kuleta divorce mu mandoa ya bantu. Si tu as l'habitude de mettre. Mais comme Christ. Mais tu es chrétien. Tu as kusema una na roho ya Mungu. Sache que tu n'as pas l'esprit. Na ile roho ya Mungu hauna nayo ndani mwako. L'esprit du Seigneur. Ndani mwako muko roho ya division. Dans toi il y a la roho ya division ni roho ya shetani. L'esprit de division c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kama wewe mukanisho ni kalaka na ile habitude ya kwenda kuchonganisha bantu. Si toi dans l'église tu as l'habitude de calomnier. Unabeba bia huyu. Tu prends des choses. Unabeba huyu. Tu le unabeba bia huyu. Unaenda tena unampeleka. Donc wewe unashikia bia huyu hivi anasema. Et puis hausta bisema tel que vile anabisema. Unaongeza. Unakuya kwa huyu. Unashikia vile anasema. Unaongeza pale naye anabishikia. Shika sirani iko naenda kumubamba. Alléluia. Amen. Ça veut déjà chez Christ tu chaque Yohana. Utaona ule mtu atatomboka paka pale. Tena anesi kusabu na mambo ya Mungu usema nembaka wala na mbaka. Namna vile atatomboka pale. La manière dont il va na mtu atamwangalia mwanacho akusema huyu ana Mkristo. Tu verras que cette personne n'est pas chrétien. Sasa ule mtu anabaweka mwile confusion ni nani? Ni ule mtu ako na esprit ya division. La personne là qui va le mettre dans la cache yake mukanisa. De division. Ni tu ya kuchonganisha huyu na huyu makosana. Il est là pour diviser les gens. Cache yake mukanisa. Ni ya kutosha watu wengine mukanisa. Le faire sortir dans l'église. Cache yake mu makorale. Ni tu ya kutosha watu wengine mukorale. Enlever les autres dans le corps. Tu ya kusema uko animé na esprit ya Satan. Il faut que tu saches que tu es animé par le diable. Amen. Alléluia. Amen. Kukanisa tunakuya aina nasema tu divisane. Dans l'église on vient pas se diviser. Mubimbaji tunakuya aina nasema tukatane emo. Dans le Coran, wala tushirikiane emo. Wala tushirikiane emo. Tu connais des problèmes. Mais mukanisa. Mais dans l'église. Ivije tuko hapa. Comme on est ici. Tuko mwili moja. Nous sommes un seul corps. Alléluia. Amen. Bible nasema. La Bible dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Mujua ya kwamba mwili yenu inakuwa ni. Alléluia. Hekalu ya Roho Mtakatifu. Donc hivi sie wote tuko hapa. Tel que nous sommes ici. Fanya corps moja. Inaleta hekalu ya Roho Mtakatifu. Nous formons un seul corps. Alléluia. Amen. Sasa wewe temple yako. Toi ton temple. Uko na utiliser paka mkuchonganisha watu. Tu l'utilises pour calomnier les gens. Temple yako. Ton temple. Uko na utiliser paka mkukata. Pour diviser les gens. Tu verras que d'autres personnes, s'ils te donnent une parole, je ne sais pas si tu vas encore répondre. Il y a d'autres personnes qui sont fortes dans les paroles. Il va te donner un seul coup de parole. Et tu verras même la tête te fait mal. Pourquoi? Parce que cette personne est animée par l'esprit de division. L'esprit de division. L'esprit de diviser les gens. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rome takatifu, le Saint-Esprit, et tout ça aide et tout que nous aide à nous unir.
département. Dans le département. Rome Takatif. Et le Saint-Esprit. Nous aide à être ensemble. Batumishi. Les serviteurs. Rome Takatif. Et le Saint-Esprit. Nous mettent ensemble. Ba mama. Rome Takatif. Et le Saint-Esprit. Puisse nous mettre dans l'unité. Papa, le papa, Rome Takatif, et le Saint-Esprit, il doit que mumoja, dans l'unité, Piana, le chef, Rome Takatif, le Saint-Esprit, il doit que mumoja, nous unir, na kama shiba tatu nakuya mumoja, devant dans l'unité, tout est allé amen, nous allons aller de l'avant, alléluia, amen, tu as mis dix seigneurs pour faire chier comme canisa, pour que le miracle commence à s'accomplir, il n'a pas été couvert mumoja, il va falloir que nous soyons dans l'unité, tu as chié toi ce quimba, bap. Mami disa yase kufashika. Que nous commençons à chanter et que le miracle. Il faut que nous soyons. Il faut que nous soyons dans l'unité. Il est attitude ou la habitude à kusema kama huye kona tuma mishi taimba. C'est un esprit à division. Si c'est lui est en train de chanter, moi je ne chanterai pas. C'est l'esprit. Ya kusema kama huye anaimba nekala na orgueil. Si c'est lui qui a chanté. Mishi taimba. Moi je ne chante pas. Toi tu ne chantes pas pour lui, tu chantes pour lui. Il y a une roi à division. Aina roi à orgueil. Aina roi à kujivumisha kusema kama mie niko hapo. C'est pas l'esprit de présentation. Kama si je suis pas. Il ne faut pas chanter bien. Esprit à orgueil. Aina ya Mungu. C'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Kanisa. Église. Tukuye mumoja. Soyons dans l'unité. Ma département yote. Le département. Tukuye mumoja. Soyons dans l'unité. C'est pourquoi Bible nasema mugalate. C'est pourquoi la Bible dit en Galate. Le fruit de l'esprit. Matunda ya kiro. Parce que bantu pale beko na ongozewa na roho ya Mungu. C'est là qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Banapasha kutosha matunda. Ils doivent fournir des fruits. Awene tu uko na roho ya Mungu matunda yako iko paka mibaya. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit mais avoir des mauvais fruits. Uko na Rome Takatifu mais mapendo hauna nayo. Tu as le Saint-Esprit mais tu n'as pas d'amour. Uko na roho ya Mungu mais chuki wencho wa kwanza. Tu as le Saint-Esprit mais tu as la haine. Uko na Rome Takatifu mais lakini matunda ile kuna toka ndani mwako. Iko na kimbisha bantu. Mais le fruit qui sort en toi fait fuir les gens. Or chez ba Christ. Or nous chrétiens. Tu n'as pas sa kutosha matunda yetu. Nous devons produire nos na fruits. Ile matunda ile te kushima kubale beko na yoni. Il donne la vie dans ceux-là qui sont en train de le voir. C'est pourquoi tu as Christu ba mingi. C'est pourquoi tu vas voir malgré tout qu'on a le Rome Takatifu iko ndani mwetu. Malgré que nous avons l'esprit. Mais Dieu pour produire ma fruit à esprit. Pour produire ce fruit. Iko ya nguvu sana. C'est difficile. Iko ya nguvu. C'est quelque chose qui est difficile. Si nous essayons de vérifier dans l'église, il y a ceux-là qui ne se parlent pas dans cette église. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Si nous regardons dans l'église, il y a ceux-là qui ne se saluent même pas. Mais nous sommes dans une même église. Et nous disons que nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes dans la chorale. Mais on ne se parle pas. C'est pourquoi on a esprit. Pourquoi l'esprit de l'esprit n'est pas dans le chantre. Ne priez pas. Nous sommes en train de nous détester. Comment est-ce que nous allons faire l'œuvre de Dieu? L'église va s'épanouir comment? Comment est-ce que le miracle va se faire? Si nous n'avons pas l'amour. C'est pourquoi Mousselili me refondisha kusema. Est-ce que unaweza kuhurumia kule mtu tu alikufanyaka kwa vibaya? C'est pourquoi j'ai dit dans la cellule, est-ce que tu peux pardonner à celui qui t'avait déjà offensé? Tu as kuhurumia mtu. Pour pardonner quelqu'un. Bien sûr, minaweza kumhurumia. Minaweza kumhurumia hapa kinwa mais mon roho. Na baki amesha kumfunga. Je peux te pardonner au travers ma parole mais au cœur tu seras en prison. Choko lotaona ba Kristo ba mingi. Malgré nasema misha kumhurumia. Tu verras qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais mon roho yake. Mais dans son cœur. Ashia mtosha. Il n'a pas encore enlevé. Or wakati unarumia mtu. Oh, pendant que tu pardonnes. Unapasha kumshamea na kusabu. Tu dois le pardonner et oublier. Ma papa kavile miriku yake naye.
comme à l'état initial. Quel que soit il fanya kibaya ki atie. Quel que soit cette offense. Mais ça vino comme tu kunongoshwa na roho ya Mungu. Comme tu es conduit par l'esprit. Roho ya Mungu est à kuacha munjia ya kushirikiana pa. L'esprit de Dieu ne va pas. Roho ya Mungu est à kuacha kuikala mu mafitina na bantu. L'esprit de Dieu ne va pas. Mais roho ya Mungu. Il tente de kupusser kuya paka mumoja na bantu. L'esprit de Dieu va te pousser à être dans les. Voici l'on afika. Là où tu seras. Bantu wote wanafurahikiwa. Facile en Afrique. Bantu wanasema hapa huyu mtu anafika. Les gens disent que solution ya byakweli na fyakonekana. Cette personne va donner la solution. Mais par rapport ya wewe kama unafika fashi. Comme toi tu Bantu wanasema huyu hapa anafika. Comme il arrive ici. Bintu binaribika. Les choses vont maintenant aller mal. Pourquoi? Uko animé na esprit ya ma division. Parce que tu es animé par un esprit de division. Donc il n'y a pas quelqu'un qui fera qui va gâter mon réunion. Il n'y a pas quelqu'un qui. Tu as ni mis ce mot yako. Parce que tes paroles. Ma voix yako. Tes pensées. Il est quelqu'un qui va kufuncha. Il y a tout. C'est pour briser les cœurs. Attaque ma banane. Laisse ta proposition à Mouzouri. Même si on donne une proposition. Ça filo qu'on a. Ou quoi ni esprit. Comme y a division y a orgueil. Comme tu es un esprit de l'orgueil de division. Donc ouais. Toi. Kuwa il est yot. Tu vas bannir cela. Est-ce que Rome t'a cattif le tripoker? L'esprit que nous avons reçu. Est-ce qu'il est en train de faire son travail à nous? Bella we julise muibi ki katre mina taye. Demande-toi d'abord dans de quatre. Rome t'a cattif ou isha ku libérer mu maloi ya Zambi. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà libéré dans le loi de péché? Ou soit tu kuna kwa tu kutulanda pule. Ou bien tu viens seulement nous mentir. Il y a d'autres personnes. Parce que même ça peut vivre les cas. J'ai déjà vécu ces cas. Arkuyani, bon ancien wakanisa. Il était un ancien de l'église. Et qu'on a oubiri pas qu'il vit qu'on a oubiri. Il prêche tel que je suis en train de le faire. Et qu'on a fait un cas mungu vile na pash. Il fait l'œuvre de Dieu comme il faut. Mais où le musée? Mais cet ancien. Anauza kampombe et qu'on a kunya kwaki. Il achetait de la bière pour aller prendre chez lui. Donc, tu verras qu'il y a un enfant avec un sac. Il y a des bières de Simba et des tailles. Donc, on va lui dire qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut que tu le bien. Tu passes en toute sécurité. Tu mets pour lui, pour l'ancien. Yekule kama anakunya pale anakunya mais après kama anakuya mukanisa il vient à l'église anahubiri il prêche tunapika mikono on acclame tunasema njoo batumishi nous disons que ce sont les mais à côté bile qu'on a fanya ce qu'il est en train de faire ni kinyume na bile qu'on a hubiri c'est contraire de ce qu'il est en train de prêcher kuko mwingine mimi bianza kwa vivre il y a d'autres personnes qui ont fait bange il est en train de prendre les chambres. Alléluia. Amen. Et les enfants même nous disaient que notre papa, papa c'est un chambre. Notre papa il prend de la pierre. Alléluia. Amen. C'est Dieu Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est Mina Oulisa Kanisa, c'est Dieu Saint-Esprit. Je demande à l'église, c'est ça le Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit, c'est le Kunyamo Kampombe. Le Saint-Esprit, c'est prendre aussi de la bière. Tu as mis un oubli, il faut le Kunyamo Kampombe. Prêcher, il faut prendre. Est-ce que Mita Oisa Tu Miangaria, il m'a dit, il y a un mot avec les yeux comme ça. Nyangu Kyoko Kumbel. Je vais tomber ici. Il fallait le Kunyamo Kaloko. Il va falloir que tu parles de ta charisme. Attends, que tu en aies rien. Je vais te bien regarder. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais des fois, Mina Sema, Mira, Mira, tu m'as mis en. Mais comme ami comme moi vu mon présence ya Mungu. Des fois quand je suis chez ya kuangalia. Je peux pas avoir honte de regarder. Mais peut-être comme tu najikuta nje mimi sina mukadre ya kusema kuhubiri wala kufanya nini. Peut-être quand je suis chez ya. Mimi nakushikia ya kuangalia mumenje. J'aurais honte de regarder dans les yeux. Tu hapa niko hapa. Parce que là où Rome takatifu ko ndani mwangu. Le Saint-Esprit est en moi. Mimi sakuchia siwa na Rome takatifu. Je suis rempli par la puissance. Donc sina na haya. Donc je n'ai pas la honte. Sina na boka. Je n'ai pas la peur. Il s'agit à kusema. Il faut parler. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mishina na ile taya kunya mbombe. C'est pas le temps de parler. Doni seme. Jonya fronte mutu. Leo watu wengine juu ya kwenda kupinda mtu ndeni. Pour aller. Asema huyu juu ya mie kunishikia leo. Pour qu'il me voie bien. Acha nipige mokiloko. Il faut que je prenne un peu. Chupa mecho panitakate. Pour que le je parle ta mufikia. Lorsque je vais arriver. Na yemu nyata shikia. Il va sentir. Paka yangu itatoka. Pour moi ça va sortir.
Tu n'es pas encore chrétien. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est pas un esprit pour jouer avec. L'esprit que nous avons déjà reçu, nous ne pouvons pas le combiner avec les choses. Bien sûr, Bible, bien sûr dans la Bible, Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, pourquoi y'a pas de balle par exemple que c'est ma Dieu. Il y avait ceux-là pour affronter des problèmes. Il fallait qu'ils prennent de la bière. Allez, oui. Pour qu'ils mais imaginez, comme on a kunya l'on pombe. Bon, on a savoué le mambo. Qu'est-ce que naisha? Est-ce que ça va terminer? Qu'est-ce que tu as le mambo tenait quoi mon mot? Tu rêves encore le problème. Ça, ça autant ça kunya pombe chaque jour. Tu vas commencer à prendre de la bière chaque jour. C'est pourquoi Rome ta katifu. C'est pourquoi le Saint-Esprit. Na semaine nakuya. Mufariji mwema. Il est le consolateur. Il est en train de consoler véritablement. Il nous donne des solutions. Des fois, on a regardé à cause de ma imambo mina shinda. Mais où le roi pour le recondamner moi quoi? Ana kuambia se ne t'inquiète de rien. Anakuambia kusema pana kujizuiza na kintu. Il te dit de ne pas t'inquiéter. Mais mupintu biote. Mais dans toutes choses. Fanya. Matendo la shukrani. Il faut que tu fasses prier. Et je veux te répondre. Il n'y a pas un problème. Dans le même esprit que tu as déjà reçu. L'esprit que tu as. C'est lui qui va te donner la guérison. C'est lui qui va te donner ce que tu cherches. Tu es en train de chercher quoi ce que l'esprit sera incapable de te donner. Bien sûr, les choses du monde sont bien. Peut-être on a aussi peut-être tu peux te dire que comme tu es en train de prêcher, tu n'as pas encore passé par ça. C'est bien. Kuko mungu, mungu anaweza kuita mtu mwingine bila kupita mpombe, mbusharati, mtumbako. Dieu peut appeler quelqu'un sans pour autant passer dans la prière. Il faut pitié mon biote. C'est pas dire que l'appel de Dieu a parlé mon gars qu'on va préparer. Il fallait pas pitié mon malawa mon bintu biote. Et après comme oui son mon gars fanya nini? Et après amoueke mukashia. Afin que Dieu les Dieu nini? Dieu a parlé pour te baranza kumona. Pourquoi ça? Pas témoigner beaucoup pas mon. Plus les témoigner. Mais kuko bengine. Il y a cela. Aina kusema paka pitié mon pombe. A pitié mon busharati. A pitié mon bwizi. A pitié mon malawa. Il passe dans les fêtes. Il va l'appeler. Il commence à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pas dire que Dieu m'avait appelé directement. Moi aussi je prenais de la bière. Chez lui on ne savait pas qu'il prenait de la bière. Alléluia. Amen. 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 Canis. Église. Rome takatifu tulipokea. L'esprit que nous avons reçu. Iko na tutakasa. Nous sanctifie. Iko na tutakasa. Nous sanctifie. Na iko na tuacha munjia ya utakasa. Et nous met dans le chemin de la sanctification. Rome takatifu tulipata. L'esprit que nous avons reçu. Aina Rome takatifu akutupeleka mu poto poto. C'est pas l'esprit qui nous amène dans la boue. Mimi napendaka sana sauti ya Paul. J'aime la parole de Paul. Paul anasema. Paul est en train de dire. Toutes les choses qui ont fait mon honneur. Les choses qui ont fait de moi un homme célèbre. Les mauvaises choses. Je le vois comme de la boue. Je le vois comme de la saleté. Pour le nom de Jésus. Est-ce que na wewe kopile biko nafanya kafumu ya china na kopile bia bibaya? Est-ce que tu as le choses qui te rend célèbre? Est-ce que na wewe kupiona ko sapoto poto ça vient de chez moi? Est-ce que tu peux le voir comme de la china la Yesu pour le nom de Jésus? Tu tu ya china la Yesu pour le nom de Jésus. Rome takatif, le Saint-Esprit. C'est pourquoi des fois tu connais omba Rome takatif du jazz. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit nous remplisse. Jaza jaza we. Rempli. Jaza jaza we. Rempli. Tu n'as pas tout venu pour qu'il pokeya. Pourquoi tu as tout envoyé? Tu as tout pokeya tout Rome takatif. Tu verras quelqu'un. Omba Rome takatif du jazz. Lui il est en train toujours de faire bouger la tête. Come on, come on. Alléluia. Amen. Pas
parce que chaque jour que je me comme Rome t'as qu'à dire pour dans les moines parce qu'il sait que si les êtres prennent il t'a ni libéré moi bibi baya biote ni quoi ça va lui libérer de toutes les mauvaises choses. Je ne veux pas commencer à prendre pour foutre. Je ne veux pas commencer à charatiquer. Je ne commence pas à prendre pour foutre. Si t'as ça pour voler puis tu biote bibi baya comme sur ce si t'as ombre jazz je ne veux pas prier la plénitude du Saint Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na mwisho tunaishia pale. Na nous terminons là. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Iko na tu fortifier mu muntu le wa ndani. Iko na tu ça nous fortifie dans l'homme intérieur. Donc Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit ina tu fortifier kwa ule muntu wa ndani. Nous fortifie avec cette personne intérieure. Donc urikuwa na huzuni. Tu avais l'affliction. Tu avais des problèmes. Mais le Saint-Esprit qui est en toi vient fortifier la personne interne. Et il te donne la force. Malgré que même si on avait déjà dit que tu ne mettras jamais au monde. Mais cette personne interne. Le Saint-Esprit vient à cette personne interne. Il lui dit ceci. Dans la maison de Dieu. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va fortifier. Déjà cette parole nous fortifie. Nous donne de la force. Et ça nous donne de la force. Il plaît qu'il neige, tu vas toujours mettre au monde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas toujours l'œuvre de Saint-Esprit mettre au monde. Mais Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait des grandes choses dans la vie des chrétiens. Tu t'as foutu de Rome d'Akatif. Cherchons le Saint-Esprit. Tu t'as foutu de délivrance. Ne cherchons pas la délivrance. Tu t'as foutu de Kamani Bintoukan. Ne cherchons pas ce que tu as fait. Mais la première des choses, tu t'as foutu de Rome d'Akatif. Cherchons le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, qui saillot est-ce qu'on a oué sur le ténèbre n'aura pas le monde. Si nous avons le Saint-Esprit, à tous ta couille à la massiquité qu'on donne le monde. Kama tunakuya na Roho Mtakatifu, hatutaanguka. Kama tunakuya na Roho Mtakatifu, shetani hatatutosha munjia ya Mungu. Kama tunakuya na Roho Mtakatifu, yote kila tutalomba, tutakipata. Juu ya nini? Roho Mtakatifu iko ndani mwetu. Kanisa, Eglise, Roho ya Mungu inatulomba. L'Esprit du Seigneur nous demande. We na mi, toi et moi, tutafute Roho Mtakatifu. De chercher le Saint-Esprit. Tout à foutre Rome d'Akatifu. Cherchons le Saint-Esprit. Roi, vous t'acatifu le ripokea, iko wapi leo. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ça est où? Kuko bantu bale wakati bari babatiza bari sema luka. Il y a ceux-là que, au moment de les baptiser, ils avaient parlé en langue. Bari pata masawadi ya ngufu. Ils avaient reçu des dons. Mais na leo hii. Jusqu'aujourd'hui. Depuis que la tangia ile luka bari semaka mubatiso. Depuis la langue n'avait parlé au baptême. Il n'a jamais parlé là. Ça a déjà disparu. Tout le monde, on est en train de faire bien sûr, on va nous baptiser. Est-ce que maïsha yako esha kubadirika? Est-ce que ta vie a déjà changé? Vous verrez que la terre ici c'est condition. Ça des conditions. Yes. Come on, come on. C'est quoi? Des fois, peut-être que la atari arifanya zambi jana sa vile ni zoezi anakuwa anakula kwa kumeza maisha yako inafunga. Il y a d'autres personnes qui sont maudits parce qu'ils passaient à la table pendant qu'il est pêcheur. Wewe mko nasema kama unakula kwa kumeza na zambi inafai uanguke huko kumbele mais maisha yako na yaribisha yote mais tu détruis ta vie à l'immédiat. Ne prenons pas d'autres choses par habitude. Tu as déjà perdu les Saint-Esprit. Nous avons déjà perdu nos dons. Il y a d'autres personnes qui ont les dons de chanter. L'esprit qui est en lui. Comme il est en train de se négliger. Dans le chemin de la saleté. Cette don ne va pas fonctionner.
Cette personne sera toujours comme ça. Kanisa. Église. Tout à fait, Rome, Takati. Cherchons le Saint-Esprit. Je vous exhorte ce matin. Toi et moi. Tout à fait, Rome, Takati. Cherchons le Saint-Esprit. Rome, Takati, pour nous qui sommes qui le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Kama Yesu Kristo alisema il fallait niende juu bamitumie hiyo. Si Jésus a dit il faut que je m'en aille après cette. Ariyo akusema aba bamitume aba milikuya nabo. Il savait que les disciples que j'avais. Kama bakwanze kufanya nzambi c'est pas c'est que milikuya katikati yao. Si ne péchait pas c'est parce qu'ils étaient avec moi. Mais sasa hivi mimi nenda. Comme je m'en aille. Banaishi kubakia mubulevi barute muba kulopa samanki. Ils peuvent commenter à se prostituer. Alors s'il sait il fallait ni balombe Rome takatifu. Il va falloir que je demande. Il voyait que baongoza ibasaide. Et les gens qui commencent à les conduire et à les aider. C'est de même avec nous. Sans le Saint-Esprit, pour laisser les péchés, on ne réussira jamais. Pour abandonner les péchés, la chérie, jamais tu ne abandonneras. Mais avec l'Esprit de Dieu, Amen. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Amen. Ensemble avec l'Esprit de Dieu, tu réussiras. Amen. Ensemble avec l'Esprit de Dieu, tu réussiras. Ensemble avec l'Esprit de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. Il te touche. Il te transforme. Il nous transforme. Il te fait que tu aies il fasse de nous de tous ces nouvelles personnes. C'est pourquoi Zorobabel en a sema. Pourquoi Zorobabel est dit. Ce n'est ni par ma force. Ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Dieu a ouvert pour que tu réussisses. Sur cette terre, il faut avoir l'esprit. Même si tu étudies comment, même si tu connaissais comment, même si tu es père, mais pour avoir l'esprit, il faut que tu réussisses. Kuko bantu bengine wanasema kama iko mzuri atapata bukweli mzuri. Bongo na landa. Kama uichichunge utapata bukweli wa kuteswa. Si tu ne te gardes pas, tu vas trouver un mauvais mariage. Yes. Alléluia. Amen. Kama uko mzuri. Si tu es belle. Weka mona roho ya Mungu mu mzuri bwana. Ajoute l'esprit de Dieu dans cette beauté. Na uichichunge na mzuri bwana. Et garde-toi avec cette beauté. Utapata bukweli wa mzuri wa kuheshimisha. Tu verras aussi un mariage de beauté. Ushakupataka tu bukweli. Yes. Tu trouveras un mariage qui correspond à ta beauté. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas te prendre la beauté, Yako? Un mariage qui correspond à ta beauté. Alors, balé papa, y a balé benyewe, sachia ba beushi. C'est la façon de pouvoir y voir bien. Tu trouves un bon mariage. Mais où est-ce mzuri? Mais toi qui es belle. Comment tu vas la kuangaria vers la scène? Quand on te regarde. C'est une jolie mais vérité. Si tu suis la vie de cette personne, il est en train de détruire cette jolie vérité. Je t'invite avec ta beauté. Venons chercher les saints. Na busuri buako. Kuya tu évangéliser nabo. Na busuri buako. Kuya tu mikia nabo Mungu wako. Na busuri buako. Kuya nabo mu presence ya Mungu. Na Mungu atakushimisha. Pokea ile mchina la Yesu. Pokea ile mchina la Yesu Kristo Nazareti. Mimi nasema pokea ile onote Yesu Kristo. Simamia yulu tuombe mchina la Yesu Kristo. Simamia yulu tuombe. Mimi napenda waambie kwa wako Mungu waimbaji karibu sana. Niko natumia mwimbo ya Senga Mkwashi. Nous entendons la chanson de Senga Mukwashi. Muna ituma samu louange ya araka par rapport à adoration. Tuko na imba imu imbo wa chuchiti ya maomi. Uko na ona vile roho ya Mungu iko na kukamata. Tu es en train de regarder comment les roho ya Mungu na wewe asubuhi ya leo ikukamate. Que le Saint-Esprit te touche. Roho ya Mungu na wewe asubuhi ya leo. Que l'Esprit de Dieu te touche. Ingie kwa maisha yako. Entre dans ta vie. Roho ya Mungu na wewe
l'esprit de Dieu ce matin. Il rentre dans ta vie. Bien sûr, tu l'avais reçu. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est le moment de Rome d'Akatif. Jésus. Au nom de Jésus Christ, nous allons mettre nos mains à l'air. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, mes mains sont vides. J'aimerais que tu me touches. J'aimerais que tu me touches dans tes mains. Que tu me conduis. Que tu m'enseignes. Que tu sois mon nom. Roya Kobuana.
Yase ku restore ma departema. Roya ko buona. Yase ku kamata kila mocha. Buona kamata maisha yetu. Buona kamata ya wetu. Witu chase maisha yetu yote mzima. Chase kila mocha iko hapa buona. Chase maisha ya dada. Chase maisha ya mkubwa. Chase maisha ya papa. Chase maisha ya mama. Chase maisha ya mtoto wote iko hapa. Wipa chase ya wetu. Wapokeye hii nguvu buwana. Ile teba shindikisa. Mupaka kumanyumba yavo. Mumaisha yavo ya Kristo. Buwana peke yetu ya tustaweza. Tunaomba msaidizi wa roho wako. Itu akompanye. Itu kamate. Itu kamate. Itu kamate. Itu kamate. Lasso de power. Reba shane kia. Mesonike las. Reba bababa. Reklasso de kia. Réplique l'Oshana, mais sonique l'as. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fungula maisha ya mutu moya buwana kati yetu. Fungula maisha ya mutu moya buwana. Tuza sante ya mutu moya buwana. Tuza sante ya mutu moya ya weche. Buwana kusa maisha ya mutu moya. Kusa ndoa ya mutu moya. Kusa sante ya mutu moya. Masomo ya mutu moya. Fiancé ya mutu moya, kasi ya mutu moya buwana. Iko possédé par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous déclarons et nous disons amen, amen. Pika komikono, au nom de Jésus.